Dans moins de 30 ans, il ne sera plus possible d'admirer les glaciers des Pyrénées et ceux des légendaires parcs du Kilimandjaro ou du Yellowstone. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils auront disparu. Et ils ne sont pas les seuls. Selon l'UNESCO, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial par l'agence devraient disparaître d'ici à 2050. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'appuie sur le recensement de 18 600 glaciers sur 50 sites, ce qui équivaut à 10% de la surface glaciaire totale de la planète. Elle révèle que chaque année, des dizaines de milliards de tonnes de glace fondent, ce qui augmente aussi le niveau des mers. Son rapport fait froid dans le dos, mais souligne aussi que l'on peut encore agir pour sauver les deux tiers des glaciers restants en réduisant nos émissions de CO2 responsables de la hausse des températures. À la veille de l'ouverture de la COP27 en Égypte, la directrice générale de l'UNESCO indique que ce document est un appel à l'action.